s'envoler et qui va remporter le Grand Prix de Champagne. Après quelques jours de course dans les jambes, c'est sûr que ça rassure toujours de gagner. Et ouais, c'est cool, surtout avec les couleurs de l'équipe de France, c'est toujours plaisant. Et puis un sprint, je vais dire dominé, vous étiez presque à l'arrêt dans la dernière bosse. Ouais, on était à l'arrêt, ça se regardait beaucoup. Et c'est elle qui a lancé le sprint, je crois. Et quand elle a lancé, je me suis dit, bon, allez, c'est parti. Après, on l'a lancé un peu aux 400 mètres, ça va un peu loin, mais c'est comme ça. C'est un groupe qui est quand même assez jeune, parce qu'on a plusieurs espoirs et puis des jeunes seniors, on va dire. Des filles qui sont passées avant en équipe de France junior ou en équipe de France espoir. Et donc, c'est un groupe quand même à dominante puncheuse grimpeuse. Donc parfait pour ce profil de ce parcours qui est proposé aujourd'hui. C'est la première fois qu'on a un plateau international et une victoire française devant le président de la Fédération française de cyclisme qui a fait le déplacement ici à Chambéry-le-Vieux. Donc nous sommes très contents et aussi contents pour nos amis italiens qui, avec leur équipe venue de Trévise, finissent première par équipe derrière la championne française. Oui, alors c'est une course qui compte parce que une course de niveau international, donc ça permet tout de suite de situer quand même un autre niveau, hein, un niveau important. La plupart de ces filles-là se retrouvent régulièrement dans les plus belles courses du calendrier international. Et puis une course qu'on attendait d'autant plus parce que c'est une période extrêmement compliquée pour nos athlètes. Vous voyez bien, elles sont soumises à des protocoles qui sont quand même très contraignants, très rigoureux, des restrictions parfois dans leurs activités, y compris de compétition. Donc ça fait du bien de les retrouver en compétition, sur le terrain et dans des circonstances qui étaient extrêmement favorables à ce qu'on puisse vivre une très très belle course de vélo. Vous voyez tout à l'heure, au départ, les sourires, l'envie, la joie. Et c'est ce dont on manque aujourd'hui le plus. Et les voir toutes réunies comme ça sur la ligne de départ, ça fait beaucoup de bien. Enfin, je le dis aussi pour le conseil départemental qui soutient cette course. Et puis enfin, je voudrais simplement dire qu'on a besoin aussi de voir des femmes dans l'espace public, et la course sportive comme celle-là permet de remettre en valeur le fait que le sport, c'est pour tout le monde. C'est d'abord aussi pour les personnes qui veulent s'investir, et puis en fait aujourd'hui on est pour une logique d'égalité qui montre que la performance est accessible pour tout le monde. Voilà. Dans cette période de Covid, une vraie volonté aussi de la part de chacun de tenir et d'arriver à aller jusqu'au bout et de nous apporter cette petite fenêtre d'un monde un peu différent et un peu d'une normalité qu'on a pu connaître avant. Chambéry, le cyclisme est intimement lié. Évidemment, on pense à Chambéry Cyclisme Compétition, mais aussi à l'équipe professionnelle qui est née à Chambéry il y a bien longtemps avec Vincent Lavenu. Donc on espère pour l'année prochaine qu'il y aura un peu de public, ce qui n'était malheureusement pas possible cette année. Les filles le méritent.